Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft en 1.12. Je viens d'arrêter le mauvais temps, je viens de remettre le jour. Oui, en 1.12, il pleuvait. Chose extrêmement commune. Bref. Alors, allez, c'est parti. Regardez le village que je viens de trouver. Au début, j'étais juste en train de me promener. Je voulais pas faire une vidéo sur un village de PNJ encore. Mais regardez. Regardez là. C'est un petit peu casse-gueule, mais c'est faisable. Et je serais pas déjà venue dans ce village parce que là, il y a une drôle de marche quand même. Ça ressemble à quelque chose que j'aurais pu faire moi. Mais il n'y a aucune lumière dans les champs, dans les choses. Dans les champs, mais t'as vu, j'ai un bloc de bois comme. Bref, peut-être je suis déjà venue, mais j'ai pas bien fait mon boulot de protectrice des PNJ. Ah, pas bien, Orphéa. Bon, là, c'est moi qui viens de la faire pour savoir vers où repartir, parce que je tourne trop en rond. Je tourne trop en rond. Avant de commencer l'enregistrement, je n'ai trouvé un spawner que j'avais déjà trouvé, en fait. Mais ce qui m'étonne un petit peu, c'est que. Là, ça m'avait pas marqué ce grand escalier. Allez, rentre. Je sais pas. Ta-di-da-da, ta-di-da. On va voir. Là, ici, il y a une torche en bas. Non, mais j'ai déjà vu. Je suis déjà venu. J'ai déjà dû venir dans ce coin, je veux dire. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça change de d'habitude, Orphéa qui tourne en rond? Mais non, ça change pas du tout. Oh, le village pourri, regarde-moi ça. Ah, bah ça va, c'est pas si pourri que ça. Tu peux juste te tuer si tu tombes un peu. Mais enfin, t'es pas obligé de tomber. Bon ben on se casse hein, les PNJ, on se reverra bientôt peut-être parce que j'ai l'habitude de tourner en rond donc c'est bon. Mais bon en même temps c'est pas trop ça que j'allais dire. J'étais pas venu forcément faire ça. Vous prouver que je n'ai aucun sens de l'orientation. Alors, vous aviez l'habitude tous les samedis matins depuis quelques semaines de voir notre défi construction en amoureux à Marc et moi. Aujourd'hui, on se retrouve Orphéa toute seule. Parce que la semaine dernière et la semaine d'avant, vous avez vu les deux derniers épisodes de notre série. Du coup. Comme on n'a pas tourné d'autres épisodes, j'en profite aujourd'hui pour vous donner un petit peu quelques informations sur l'avenir de notre aventure en amoureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis déjà venue aussi. Mais oui, je suis déjà venue aussi. Oh, les gentilles. Ouh, loulouloulou. Allez, on se retrouvera peut-être. Tu m'énerves toute seule. Je tourne en rond, je suis toute seule sur une map gigantesque et j'arrive à tourner en rond. Bon bref, c'est pas grave. Si c'était qu'une fois que ça arrivait, hein, on sera étonné, on dira oh Orphéa, quand même. Mais non, 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 là on dit oh encore. Et puis c'est tout. Bon bref. Donc Marc et moi allons bientôt tourner une nouvelle saison de série en amoureux. Une nouvelle série en amoureux. Tous les deux ensemble, on va faire soit de la construction, soit de l'aventure en survie. On est encore en train de se demander comment on va faire, ce que ça va donner. C'est vrai qu'en construction, on s'amuse beaucoup. Chacun de notre côté, on construit sans regarder ce que fait l'autre, et c'est vrai que c'est assez amusant. On rigole et. Moi, vous savez très bien que les aventures en survie, je suis pas méga folle fan. Donc ça m'enchante pas plus que ça. Donc on réfléchit encore un petit peu. Mais une chose est sûre, qu'on fasse un truc ou l'autre, on attendra d'avoir la nouvelle version de Minecraft. On fera ça en 1.13. Alors, moi, ça m'intéresserait d'être en
1.13 en créatif. Comme ça, on pourrait se balader tranquille, peinard comme il faut. Parce que 1.13 en survie, ça va être un petit peu difficile. Il y aura des monstres et tout ça. Et je suis pas méga enchantée. Et on verra bien. On verra ce qu'on choisit de faire. Et puis la possibilité qu'on a. Parce que je vous le rappelle, Marc et moi sommes parents. Et Lucie et Violette se gardent pas toutes seules. C'est un chemin parce que là il y a un village. Oh, un village que j'avais pas vu. Si j'ai pas vu le chemin. C'est un peu space quand même cet endroit. Waouh, c'est un peu pourri aussi cet endroit. Même les monstres, ils se cassent la gueule. Ils disent ouais. Attends. Par contre, je vais aller mettre mon marqueur pour être sûr de ne pas repartir encore n'importe comment. Oh là là, mais c'est pas la peine. Qu'est-ce que c'est que ce village de crotte? Non, attends. Voilà. Sinon, on en a pour 8 jours et demi. Oh, attends, oh là là, ici aussi, il y a un... Oh là 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 là. Attends, là, on va peut-être empêcher les monstres. Voilà. Mais on n'a pas empêché grand-chose, quoique là, ça y est. On a quand même bien bloqué les éventuels monstres qui voulaient passer. Eh ben, déjà, j'ai bouché un trou, les gars. C'est quoi ça? Ah bah oui, c'est mes torches, je les récupère. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça nous a beaucoup amusé de faire ce défi construction en amoureux. Défi que Marc Phoenix a gagné, bien évidemment. Il s'est défoncé pour faire une maison géniale. Et moi, je suis restée un petit peu trop dans mon confort. Et je crois que je suis tombée. J'ai chu. Je suis restée dans mon confort avec une maison moderne comme je sais les faire. Alors que lui a fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Je suis assez fière de Marc Phoenix pour ça, parce qu'il a gagné, il mérite vraiment amplement. Bon, bref. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, pas de Marc Phoenix avec moi, je suis toute seule. Et on se retrouvera une fois que le 1.13 sera sorti. Attends, ça me stresse un peu. Pauvres PNJ vont se faire dévorer. Et là, on a... Oula, t'as couru, mais pas assez vite, hein. Oh, elle est morte. Lui aussi, là. Oh, le pauvre... Non, on ne pense pas. Hop là. Wow. Il est un petit peu étrange quand même ce village, hein, n'importe quoi. Donc on va recommencer une aventure en amoureux. On verra si c'est en survie ou en créatif. Ça va dépendre. T'es tombé, toi, hein. Ouais, c'est ballot, hein. On verra. Ça dépendra de notre envie et puis du temps qu'on a aussi. Et puis voilà, on verra tout plein de choses. Mais voilà, notre aventure en amoureux, notre défi construction a été pas mal suivi. Et on tenait aussi à vous remercier pour ça. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de retours et puis des retours toujours très positifs. Donc moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis que bientôt on se retrouvera avec Marc Phoenix. Dans quelles conditions, pardon, dans quelles conditions, je n'en sais rien. Une chose est sûre, on sera en 1.13. Voilà. Donc, faut attendre que le 1.13 sorte et on le découvrira ensemble. Voilà. C'est quoi ça là-bas? Oh.
spawner. On y va après? Ouais, je vous fais une autre vidéo tout à l'heure. Parce que là, je suis en train de faire ma première session de confiture de fraises. Et il faut que j'aille m'en occuper. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup. Et puis on se retrouve plus tard dans une vidéo déjà pour aller visiter ça et plus tard avec Marc Phoenix. A plus tout le monde.